Salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien les amis. Et aujourd'hui on attaque le sixième épisode de mon Let's Play sur le jeu Shadow of the Tomb Raider. Voilà le dernier chapitre de la saga Tomb Raider qui revient sur les origines de Lara Croft. Voilà comment elle est devenue la célèbre Lara Croft et tout. Donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver sur ce jeu, sachant que j'ai pas retouché depuis 2 semaines. Parce que voilà, si je vais me répéter à chaque fois, en chaque début d'épisode, c'est que j'enregistre des épisodes d'avance. Et d'ailleurs ça devrait être le dernier épisode que j'enregistre d'avance, parce que normalement la semaine prochaine ça devrait revenir le rythme normal des vidéos. Enfin c'est à prendre entre guillemets, hein. Je sais pas encore si ça reprend le rythme normal, mais normalement ça devrait revenir, voilà, le rythme normal des vidéos sur ma chaîne la semaine prochaine. Et j'espère que cette nouvelle vous fait plaisir, mais comme je l'ai dit, c'est pas sûr à 100%. Donc attendez la semaine prochaine pour avoir la confirmation que voilà, vous aurez des épisodes tous les lundis, mercredis et vendredis, au lieu que d'un épisode par semaine comme ça a été le cas depuis plusieurs semaines déjà. Et donc la dernière fois on avait retrouvé notre ami Jonah, voilà, qui est bien vivant. Et voilà, on a l'autre partie de l'avion qui s'est échoué ici, parce que voilà, je rappelle, on a eu un crash d'avion assez bizarre. On sait pas trop encore pourquoi il s'est crashé l'avion. Et donc on a atterri sur cette une sorte d'île, en pleine jungle. On avait aussi fait quelques améliorations la dernière fois, il me semble. On avait récupéré une autre partie de mon matos, on avait récupéré le piolet et tout. Donc voilà, on s'était fait aussi une sorte de petit temple qui était assez cool. Et du coup on va reprendre le fil de notre aventure. Et puis je sais plus trop ce qu'il faut faire. Attendez, voir au niveau de la carte, trouver Kuwakayaku. Je crois que c'est qui ça, Kuwakayaku? C'est pas le pilote ça? Non, le pilote, je crois qu'il est mort. C'est qui ça déjà, trouver Kuwakayaku? Je vous avouerai que je me rappelle plus trop de l'épisode précédent. Moi je me rappelle des grosses parties, mais c'est qui Kuwakayaku? Je me rappelle plus, désolé. Sinon, pas de mission secondaire. Ouais. Ok, alors attendez, comment on fait déjà pour... Non, c'est pas ça. Ok, donc on a un arc aussi, ça fait plaisir. Moi, ce que j'aimerais, c'est... Ah, voilà. Dès qu'il faut aller là-bas, c'est parti, let's go. Donc ouais, je vous l'ai dit, le temps que je me refamiliarise avec le jeu, que je reprenne un petit peu les touches, parce que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Alors... C'est par ici. Tu m'aides ? Bah, allez, go. Toi t'es costaud, Jonah. Ah d'accord, tu me laisses porter. Toi t'es comme ça, toi, Jonah. Ok. Le mec c'est un ours. Au lieu de me laisser pas. Ah d'accord, là il me laisse porter. Ok. Mais le mec c'est un ours et il s'en bat les couilles. Il passe avant Lara. Ok. Je retiens, Jonah. Je retiens. Ah, c'est une ville. Enfin une ville. Ok, c'est un endroit. Je croyais que c'était une personne, Kuwakayaku. Ok, d'accord. Moi je vous le dis, ça fait un moment que j'ai pas rejoué, donc je me rappelle plus trop de l'histoire et tout. Mais ok. Donc c'est ici Kuwakayaku. Ok, ok. Alors, let's go. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Eh, fais pas ta flippette. Regarde. Ça va le faire. Enfin, j'espère. Ça va se péter la gueule, ça se trouve. Oh putain. Oh, surtout que toi t'es... J'ai déjà entendu ça. Toi tu pèses plus lourd que moi, donc toi à mon avis t'es un petit peu dans la merde, Jonah. Je dis ça et c'est moi qui va tomber. Ça va aller. Ça va, plutôt quelque part. Ok. Allez, okay. On y croit. Tout va bien? Ça va, je gère. Ok, ça va si tu gères. Ok. Oh, les petits singes encore. Donc ouais, ça a l'air d'aller mieux entre les deux, parce que c'est vrai qu'à un moment il se faisait la gueule, mais c'est vrai que depuis l'épisode précédent, D'après toi, ça a mieux entre les deux. Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Ça va être intéressant, je pense. Parce que voilà, moi ce qui m'intéresse aussi dans ce jeu, c'est un petit peu l'histoire, voilà, savoir un petit peu plus sur les Incas et tout, ça c'est vrai que ça va être assez cool d'apprendre, qui s'est passé avant et tout. J'espère que cette structure est là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. Waouh. En tout cas, c'est un bel endroit ici. Assez beau. Regardez-moi les effets de couleurs et tout. Oh, j'avais oublié à quel point ce jeu
Il est magnifique. Cette eau-là est potable. Tu veux essayer ? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Ouais, je crois que c'est mieux. Hein. Je crois que c'est mieux, effectivement. Ok, il y a des trucs à récupérer. J'espère que j'ai rien oublié avant. Sans tant pis, hein, comme je vous l'ai dit. On n'est pas là pour faire le jeu à 100%. Et on a reçu quelque chose. Ce canopa est un réceptacle à offrande, comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. Pachamama. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. Ok, Pachamama. Désolé, ce nom. Ce nom me fait rire, je sais pas pourquoi. Si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. Okay. T'aimais pas ça ? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Ok, donc il va falloir, je pense, activer... Ouais, il va falloir activer le pont pour qu'on puisse traverser. Alors, attendez, j'ai vu vite fait, voilà ça. Ça, il va falloir l'accrocher à ça, je pense. T'as jamais été chez les scouts ? C'est des camps de vacances ? Alors attendez, déjà il y a ça aussi qui m'intrigue. Je sais pas, d'après toi. Sans doute que non. Vas-y, go. C'est alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donne-moi un coup de main. Ouais, vas-y, pousse toi. De rien foutre là. Allez, pousse. Allez. Rien. Ok. On va relâcher, doucement. Bah vas-y, je te laisse faire. Ouais. Il faut que je fasse couler l'eau. Faut que tu fasses... Ah, attendez. On peut pas passer par là, non ? Ah si. Oula, attention, doucement quand même. Est-ce que c'est une bonne idée ? On tente de s'accrocher ou pas ? Vas-y, je tente. Ah ! Ok, il y a un mur invisible. Alors, attendez. Si on fait un truc du genre comme ça... Ça va faire quoi? Ça ne fait rien. Et ici... Non plus. D'accord. Il faut que je fasse couler l'eau. Et si on fait un truc du genre... Pas l'accrocher ça, non? Il faut que je fasse couler l'eau. Ah, on a un autre truc ici, attendez, qu'on n'a pas vu. Ah, c'est quoi ça? Vas-y. Hey, ah. Ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Ah, c'est bon. L'eau est en train de couler. Parfait. Vas-y, descends. Hop. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais. Du coup, on sent déjà beaucoup mieux. Si on essaye de repousser... Vas-y, viens m'aider. Eh, hey, bouge-toi le cul, là. Pas que ça à foutre. Allez, pousse. Ah. L'eau vient remplir le seau. Parfait. D'accord. Voyons à quoi sert ce trou. Wow. Il se passe quoi là? Ah, j'ai compris. Vite. Le seau fuit. Ah merde. Merde. Je crois que j'ai compris. Il faut. C'est un truc de. De rapidité, en fait, dès que le truc il sera à ma hauteur, il va falloir vite prendre le machin là. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. On va retenter. C'est un truc de rapidité. Vas-y. On pousse. Vas-y, vite. Ah, mais. Lâche, vas-y. Dépêche-toi, je vais pas te faire... Putain. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça le truc. Alors attendez, on va retenter encore une dernière fois. Allez. Je vous avouerai que là je suis... un petit peu paumé. Ah, y a ça. Ouais, accroche-toi là-dessus. Tu peux pas t'accrocher? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sol. Putain, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est ça en plus, il faut monter là-dessus. Non? Ah, ça va pas me saouler d'entrer là. On va pas rester bloqué 36 000 ans là-dessus quoi. Attendez. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Non, tu veux pas t'accrocher là-dessus. Et si je tire un truc? Tu peux arrêter de... Non. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au son. J'essaye de voir aux alentours s'il n'y a pas autre chose, mais... Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Ah. Ici, on n'a pas été voir, attendez. Peut-être qu'il y a un truc à faire ici. Vas-y, on repousse. Genre là, il n'y a pas... Non. Il n'y a rien à faire ici. Peut-être par là, non. Non, non. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire là, les amis? Là, je suis bloqué. Parce que moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Dès que le truc il descend, il faut vite l'accrocher, je crois. Attendez, je suis têtu. On va leur faire. Parce que je vois que ça, hein, franchement. Là, je vois que ça. Vas-y, reviens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas, les amis, là. Je comprends pas. Attendez. Monolithe. Ça décrit quelque chose de... On n'a pas été ici. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. On n'a pas été ici, les amis. Ah, mais c'est bon, c'est là qu'il faut... Ah, trésor du passé, déchiffre à Monolithe, ok. Ok, c'est là. C'est bon, je l'ai. Ok, il fallait juste aller ici. Moi, je cherchais compliqué, désolé, voilà. Peut-être qu'il y aura une coupure, peut-être pas. Attendez, il y a des trucs à récupérer ici. Hop. Je dois réussir à faire couler l'eau. Il y en a même ici. Hop. Vas-y, récupère tout ça. On va voir s'il n'y a rien d'autre. Si. On en profite. Ah. Alors, fais voir. Dans les temps reculés, le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Ok. Bah écoutez, on va... Attendez, il y a un autre truc. C'est bien ça. C'est quoi? Oh, je vois pas, la caméra. Ah, secret de monolithe trouvé. Parfait. Ah, et on a un autre truc encore là-bas, décidément. Plein de choses ici. Ok, de l'expérience en plus, c'est cool. Nickel. Du coup, on n'a rien oublié. Enfin, si, il y a par là, mais j'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Ok, on va éviter de sauter ici. Allez, cette fois-ci, j'ai compris comment on fait déjà pour courir. Ok, c'est comme ça. Vas-y, parce que là on va avoir besoin de sprinter. Allez, essaie de tenir le plus que tu peux, je t'en supplie. Allez, là on court. Allez. Non, je suis bloqué. Là c'est bon. Tiens.
Yes, c'est bon. Tu peux lâcher. Et voilà. Voilà, parfait. C'est parfait, les amis. On est bien. Bon, j'aurais un petit peu galéré, désolé. Allez, on traverse avant que ça se... Oh putain, il va falloir sauter. Il va falloir... Attendez, à moins que... Non. Ouais, ouais. On va sauter, vas-y. Ok, ça passe. Ah bah toi, t'es déjà passé, ok. Toi, tu m'as pas entendu, t'es passé. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. Ah bah, c'est vraiment une tapette, lui, hein. C'est quoi? On dirait une sorte d'hôtel, ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Ah ouais, le fameux fight contre le jaguar. Alors, œil de l'aigle. Maintenez LB puis appuyez sur Y pour utiliser des plantes de perception. Perception permet de détecter les proies et les ressources naturelles dans l'environnement. Putain, j'ai du mal. Puis en plus, je suis un petit peu enrhumé en ce moment avec, voilà, coup il fait chaud, coup il fait froid, on sait pas comment s'habiller, enfin bref. Ok. Du coup, est-ce que je dois l'utiliser maintenant, ça? Je sais pas. Est-ce qu'on a des trucs à récupérer? Oui, si. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ok. Bah écoute, on va l'utiliser. Ah! On se rapproche, on arrive près du village. D'accord. Donc, ça, c'est une vision d'aigle. On va dire plus approfondie. C'est cool. Enfin, moi, je dis vision d'aigle. Voilà, c'est comme Assassin's Creed, c'est le truc le plus connu. Y a pas un truc là? J'ai l'impression que chaque fois qu'on passe ici, ça nous dit de prendre quelque chose. Non, j'ai fumé. Hop, on descend. Oh putain, c'est quoi ça? C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Par contre, je sais pas si. Combien de temps? Regardez, on voit même les animaux et tout, c'est cool. Donc c'est pour ça qu'il disait si on croise un jaguar et tout, on le verra. La cité d'or tout de suite. Est censée se trouver au Pérou. Ah, et ça y est, c'est parti. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Ah, et on a un défi tombeau à proximité. Comme s'il avait changé qui est... Je sais pas loin, je crois. Dans le carnet d'après, on passe en Syrie. On a un petit feu de camp aussi. Est-ce que ça, les cloches, je crois que c'est ça indique l'entrée du... Je crois que c'est là. Je crois que le temple est ici. Chasser le cœur du serpent. À la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Par contre, c'est immense ici. Alors là, pour tout fouiller, si tu peux te taire s'il te plaît pour que j'active le feu de camp. Le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des gens ici à un moment. Pourvu qu'ils soient encore là. Bah écoute, j'espère. Allez, hop, feu de camp. Au moins on a un petit point de téléportation. Alors des compétences, on va pouvoir en améliorer encore, enfin en déverrouiller. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va se prendre? Là c'est pour chercheur, là c'est guerrier et pilleur. Peut-être se prendre un truc en guerrier, je sais pas. Ça c'est quoi? Œil de l'aigle, chercheur, donc ça on l'a déjà, ok. Ici il en faut... Attendez, on a... Bah non, on a... 0 points de compétence, on en a aucun. Je crois qu'on avait des points de compétence, mais non. Ok. Inventaire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une amélioration. Fais voir. Corde cirée, dégâts. La cire augmente la flexibilité de la corde, ce qui rend le tir plus rapide et plus fluide. Est-ce qu'on améliore? On doit voir les autres trucs déjà. Ah, ça on peut pas. On peut que l'arc. Bah écoutez, on va l'améliorer. Fabriquer, maintenir, vas-y. Voilà. C'est good. Ça, on avait les tenues aussi. Équipement acquis, ok. Bon, bah écoutez, on est pas trop mal, encore une fois.
Et du coup, on va pouvoir aller. J'ai trouvé quelque chose, un moyen d'entrer. Si c'est pas la civilisation, je vais attendre près du feu. Ah, mais c'est peut-être la suite de l'histoire ici, c'est pas vraiment le. Quelque chose. Des racines et des ruines. Donc, t'es prêt à ressortir. Attendez, fais voir la carte. Ah, mais si, le tombeau, c'est celui-là. Si, si. C'est bien celui-là, le tombeau. Alors, est-ce qu'on va directement dans le tombeau ou on va explorer? Bon, allez, on va faire le tombeau. Au moins, il y aura un truc d'intéressant dans cet épisode. Parce que l'exploration, c'est bien, mais bon. On va se faire quand même un petit tombeau. Moi, j'aime bien faire les tombeaux et tout. C'est cool, les énigmes et tout. Même si, des fois, ça fait rager. Parce que des fois, on trouve pas la solution tout de suite. Mais je kiffe ça, les tombeaux. Allez, Malara. Sors de là. Hop, ok. Alors. C'est trop calme. Il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Avec cette musique là. Ça fait flipper, je vous le dis. Zone inconnue, défi de tombeau. Ok. Ouais, ça fait un peu flipper là par contre. C'est sûr qu'il y a un truc qui va me tomber. Oh putain. Il y a un truc qui va me tomber à la gueule, c'est sûr. Je vous le dis. Oh, il y a des carcasses et tout. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ok, on a un truc pour grimper ici. Et là... Ok. Donc à mon avis, il va falloir grimper. Let's go. Vas-y, hop. Voilà. Ensuite, je crois que c'est là. Vas-y, tente pour voir. Oui. Au piolet. Et mince. j'ai capté trop tard qu'il fallait utiliser le piolet. Bon, c'est pas grave. On va la refaire. Donc, écoutez, on y retourne. Hop, vas-y, passe en dessous. Voilà. Du coup, vas-y, on la refait. Cette fois-ci, on se plante pas, vas-y, hop, et piolet. Voilà. Là, du coup, je pense qu'il faut sauter là-dessus. Voilà. Là, il faut monter. Ah, il faut pas monter. Mince. Ah non, peut-être par là. Oui. Hop. Ah merde. Putain. J'ai eu peur. En fait, j'ai cru qu'il fallait s'agripper là-dessus, mais non. C'était ici qu'il fallait aller. J'avais pas vu. Ok. Je vérifie qu'on a. Et merde. Comment vous dire que cet épisode. c'est du n'importe quoi. Ah, ça m'a fait un petit checkpoint. Ça, c'est sympa. Alors, attention. Voilà, j'avais pas vu ça. Passe au-dessus. Hop, voilà. C'est quoi ça? Oh, petit scarabée ou je sais pas ce côté, toi. Ça, bon, ça on avait vu la dernière fois que ça sert à rien de les buter. Ça ne rapporte rien. Je dois grimper pour passer de l'autre côté. Voilà, attends, avant de grimper, il y a des choses ici. Carte mise à jour, parfait. Parfait, faut voir. Ouais, il y a des trucs qui s'affichent et tout. Cage de survie. Donc là c'est vraiment la jungle, hein. On peut voir, il y a plein de forêts et tout là, plein d'arbres. Ouais, c'est bon. Donc on va monter. Hop. Attention, là il va falloir utiliser le piolet, je crois. Non, pas encore, hein. Vas-y, maintenant. Ok. Ah oui, pour descendre en rappel, c'est vrai. Hop. Maintenez. Vas-y. Balance-toi. Encore un coup. Et là, normalement, c'est bon. Ça passe. Ok. Pour l'instant, pour un tombeau, c'est vraiment un tombeau en pleine nature. Cet engrenage date du début du 20e siècle. Oh. C'est pas vraiment un tombeau pour l'instant.
aussi. Pour plus d'informations, c'est vas-y, fais voir. C'est peut-être Fossette et son teint de pain rassis qui attire toute l'attention, mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom, et c'est celui de Timothy Walker, l'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon, et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Bon, je vous laisse lire de votre côté parce que bon, elle prend son temps, Lara, mais moi j'ai déjà lu. Vous mettrez sur pause au pire, hein. Mais voilà, pour pas perdre trop de temps non plus. Oh, toi t'as mal fini par contre, mon gars, toi. Ça a dû picoter les fesses. Matériaux, ok. Est-ce qu'on a autre chose ici? J'ai pas l'impression. Par là-bas. Vas-y, passe. C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit chelou là. Du coup, il faut aller où? Ah, par là. Hop, voilà. Vas-y, monte. Le plus haut possible. Là, par contre, il faut aller où? Je pense ici. Hein. Vas-y. Voilà. Wow. Oh! Accroche-toi! Vite! C'est quoi ce bruit? Oh putain de singe ou je sais pas quoi là. Calmez-vous. Putain. Ils sont tarés ces macaques là. Moi, un jour j'aurai butin, je m'en fous. Nouveau feu de camp découvert. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est là l'entrée du temple. On y est presque. Ok, il y a des trucs là-bas aussi à récupérer. Attendez, avant d'aller au feu de camp, on va... C'est quoi ça? C'est quoi cette musique là? C'est... Oh, calmez-vous. Je vérifie qu'on a rien oublié. Ok, on peut aller au feu de camp. Vas-y. Est-ce qu'on a des points de compétence? Je ne crois pas. Ouais, zéro. Inventaire, est-ce qu'on peut améliorer des choses? Fais voir. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse améliorer des choses. Ok. Bon bah, moi ça fait un petit point de sauvegarde pour se téléporter et tout. Donc c'est plutôt cool. Allez, on continue encore un peu. Au moins 10 minutes. Et puis après, on arrêtera là, les amis. Putain, ça se pétait la gueule là. Il y a quelqu'un? Il y a personne. J'aimerais plutôt qu'il y ait personne, tu vois. Qu'on me laisse tranquille. Ou un mec, quelqu'un qui est gentil, tu vois. Mais je préfère qu'il y ait personne, s'il te plaît. Ok. Et on peut rien faire pour le moment. Du coup, on va monter. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller au moins? Hein? Attendez. Comment on fait? On peut faire des flèches Attendez. Ah si, on peut faire des flèches. Des flèches incendiaires. Non, c'est pas ça que je voulais. Vas-y, prends des flèches. C'est bon, t'en as pris? Bah alors. Comment on fait? Attendez. Je comprends pas. Non. Je comprends pas trop là ce qu'il faut faire, les amis. On va être de nouveau bloqué à moins. Non, c'est bon. Calmez-vous, j'ai vu, c'est bon, voilà, c'était là qu'il fallait aller. Il fallait que j'ouvre un petit peu plus mes yeux. Et oh, belle vue en vue. Oh oui, magnifique. Waouh. Limite, j'aimerais qu'on s'arrête là, mais il reste encore du temps pour jouer. Alors, regardez-moi cette vue, quoi. Waouh. Oh,
Il est beau ce jeu, il est beau, il est beau. Je sais, je me répète à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bref, allez, on continue à avancer. Là, je crois qu'il va falloir descendre en rappel, ouais. Par contre, c'est où qu'il faut aller? Alors ça, je crois que c'est plus pour débloquer un raccourci, donc on va le faire. Est-ce que ça passe? Ça passe. C'est un petit peu buggé, mais c'est passé. Puis, vas-y. Vas-y, vas-y. On spam, on spam, on spam la touche X. Allez! Voilà! Au moins, ça débloque le raccourci. C'est plutôt cool. Et du coup... Oh, attendez. Parce qu'il y avait deux chemins, je crois. Il y a ici ou là-bas. Là-bas, ça a l'air de monter et tout. On va peut-être partir par là pour... Même là, ça monte. Hein. C'est peut-être la sortie. Ah, c'est la sortie ici. Ok, bah merci de me l'avoir dit parce que... J'allais aller ici en commençant. Vas-y. Là, tu peux sauter normalement. Ouf. T'es un petit peu cassé la gueule, mais ça va, on a pas perdu de vie. Ah, attendez, attends, il y a des trucs ici. Vas-y, récupère. Par contre, ça pue le piège ici, non? Vas-y. Hop, voilà. Non, pas de piège. Ok. Vas-y, monte. Hop. Piolet, grappin. Lancer le piolet, grappin avec X pendant un saut. Ah, vas-y. Oh, oh, stylé. Ça, c'était stylé. Je crois que ça y était déjà dans le Rise of the Tomb Raider, il me semble. Mais c'était plutôt stylé. Bah, je pense que la suite est par là, mais avant, on va aller... Quoique, attendez. C'est vrai que ça part dans tous les sens, là. Hop, on récupère tout ça. Ok. Non, c'était, je crois que c'est l'autre côté, ouais. Attendez, il y a des, plein de choses à récup' là. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, ok. Voilà. Là. Déterrer des minerais, un point de compétence, trouver un feu de camp. Il est où ton feu de camp? Ici, pas. Peut-être c'est moi qui a mal compris. Ça, c'est quoi? Vas-y, fais voir. Maudit soit cet endroit. Donc, pareil, un joli maudit de mon côté. Cette jungle. Elle vous attire avec un joyau, mais dès que vous en approchez, elle vous pousse à la chute. Nous avons bien failli réussir à franchir ce trou sans fond. Ok. Bon bah, vous mettrez sur pause comme tout à l'heure. Bah du coup, on n'a rien... Attendez, on n'a rien oublié là. Vas-y, remets le... Non, c'est bon. Go. Go, 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 go. Wow. Je le redis ou pas? Il est beau ce jeu, voilà. Je m'en fous, c'est mon let's play. Je dis ce que je veux. Faut que quelque chose a bougé au-dessus. Ah. Tu me rassures pas trop là. J'avais même pas capté qu'il y avait un truc qui avait bougé et toi tu me dis il y a un truc qui a bougé en haut. Pour une fois que je l'avais pas remarqué. Faut que j'arrive à traverser le cénote. Le cénote. Bah pour traverser le cénote, écoute, je sais pas. Par là, y'a quoi? Faut que j'arrive à traverser le cénote. Ouais, ça j'ai bien compris, mais. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez. Est-ce qu'on peut grimper là-dessus? Non. Là-dessus. Oh, 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 il y avait un truc là. Ah, ok. Ouais, j'ai compris ce qu'il faut faire. Voilà. Ça me servira... Bah alors... Ah, c'est bon, elle a mis. Je crois qu'elle avait pas mis. Ah, ça me servira pour de passerelle. Pour passer. Hop. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on le coupe? Non, on va le laisser. Au cas où. Ils ont dû abandonner cet endroit pendant la construction. Waouh. Donc en fait si c'est comme une sorte de temple mais en pleine nature c'est cool ça aussi hein. C'est plus... Attendez, il y a un truc derrière. Je dois trouver
trouver un moyen de traverser le Sénat. Il y a ça aussi. Oui, on a compris là. Du coup, il faut se mettre de ce côté. Vas-y, pousse. Ou tire. Non, tire plutôt. Là, par contre, t'as de la force, là. T'as pas besoin de Jonah. Quoi? C'est quoi ça? Bon, ok, j'ai compris. Go! Wow! Ok. Ensuite. Parce que là, c'est d'où je viens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois trouver un moyen de traverser le cénote. Ouais. Mais il faut faire quoi maintenant? Maintenant que t'es là-dessus. Attendez. Je comprends pas trop. Je dois trouver un moyen de traverser le cénote. Tu dois revenir ici. Attention. Ah, ok. Je l'ai. Coupe. Non, je voudrais que tu le... Ah mais merde, j'aurais dû le couper tout à l'heure. Attendez, tu peux pas le couper. Tu peux pas monter là et couper. Ah si, on peut le couper. Ok. Voilà. Et du coup... Il va falloir faire un tour complet. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Ah bah oui, ça passe. Ça devrait tenir. Et du coup, il faut le retourner, c'est ça? Ah. C'est pas ça qu'il faut faire. On doit le remettre. Voilà. Et ensuite. Ensuite. Il y a peut-être. Ah, faut peut-être. Ah. Merde. Je crois que j'aurais dû y aller. Je crois que j'aurais dû monter dessus. Ah, mais j'ai compris. Attendez, regardez. J'ai compris. On va essayer de vite fait faire ça et puis après on se laissera là. Mais c'est bon, j'ai compris. Donc là, il va revenir là, ici. Voilà. Et donc en fait on a juste besoin de ça pour le faire maintenir un petit peu en place et puis le temps qu'on saute dessus et puis on aura le temps, enfin bon, vous m'avez compris, regardez. Hop, on va remettre ça, voilà. Du coup ça va le maintenir un petit peu. Et là, il va falloir vite. Peut-être pas tout de suite. Hein. Il va falloir vite se dépêcher. Regardez. Hop. Là. On tire. Et là, faut vite se dépêcher de monter dessus avant que ça pète. C'est bon, on est dessus. Non, on était dessus. Mais non, on était dessus. J'ai fait le débile. Putain. Bon, ça va sauvegarder, mais... Fais chier. J'étais dessus. Bref. On va la refaire, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, et là, vite. Ok, là on bouge plus. Allez. Voilà. C'est good. Hop. Vas-y. Putain, j'ai fait une chier, je crois. Ok, c'est bon. On est passé. Alors attendez, j'aimerais juste un petit. Ah, c'est bon. On a eu un checkpoint. Et bah écoutez. Les amis, on va se laisser là et puis on explorera la suite de ce temple la prochaine fois. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aura été un épisode assez galère. Je vais mettre un endroit où on est à peu près une belle vue. C'est pas vraiment une belle vue, mais peut-être plus comme ça. Voilà.
Allez, les amis, ouais, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller à mitrailler les pouces bleus, à laisser vos commentaires. Et normalement, comme je vous le disais, la semaine prochaine, eh ben, on reprendra le rythme normal des vidéos sur ma chaîne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas 100% sûr. Il faudra que je voie bah, si j'ai le temps de tourner des vidéos et tout. Donc ça, au moment où je tourne, j'ai pas encore toutes les réponses, mais voilà, la semaine prochaine bah, vous aurez la réponse. Si vous avez un épisode de Shadow of the Tomb Raider lundi, bah, c'est que voilà, ça sera reparti pour le rythme normal des vidéos sur ma chaîne. Mais si vous avez un épisode mercredi, et bah, ça voudra dire que bah, c'est pas encore pour tout de suite le rythme des vidéos sur ma chaîne. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et on se dit donc à la semaine prochaine, un lundi normalement, pour le prochain épisode de Shadow of the Tomb Raider. C'était Kero les amis, allez!